Alors, ce sont des barres de couleurs, Thierry. Encore des barres de couleurs. Making of Madame Bolduc, cassette 1. On est le combien aujourd'hui? On est le 24, c'est ça? Et il est 6h15. Je crois qu'on est le 24. Chez Jimmy 23. Regarde. Pas la bonne taille. Salut, mon nom est Louis Péloquin. And I'm born to rock. Hey Guillaume! Il y a une route des alliés. Je me sens vraiment inutile en ce moment. On va là-bas. Mais c'est fantastique. Ah non, je viens de chaussée. Ah, puis regarde, quelqu'un qui travaille. Ben ouais. Ah, ça va très bien. Ça va très bien. On a un petit rapport, mais l'appart, l'appart est vraiment. Excusez-moi, monsieur l'artiste. Ouais, à la tapisserie, c'est magnifiquement moche. Mais les brodes diffusées, donc le ciel, la luminosité extérieure. 200 ans, parce que Band 6, ça rentre pas. Myriam a beaucoup de talent. Si Michu le dit, c'est pas c'est vrai. Ah. Bon, c'est l'instant où ça devient excitant. Action! Je m'appelle Mireille Thibault. Fred, ouais. Votre comédien est arrivé. Il pourrait l'envoyer. Comment ça va? Diriger vers sa loge. J'ai commencé à jouer en 1977 professionnellement, mais avant ça, j'ai commencé, je pense que j'avais 3 ans, alors on parle de 1958. Alors, je suis une vieille pro. Tourne-toi pas, ma chouette. Laisse-moi te tourner. Autrement, ça a l'air de tu sais, puis tu vas le faire. Le scénario m'a plu parce que c'est une histoire où est-ce qu'on comprend absolument tout. Il n'y a rien qui est montré, c'est suggéré. On fait manger un chat et on fait manger une petite fille. Faites le point sur le chat. C'est bon, ça. On vérifiera s'il y a des poils de chat dans la guêpe. Là, c'est le plan le plus difficile qui s'en vient au Dolly. S'en vient. Bon, on recommence. On va y arriver. C'est un long traveling qui change de direction. Dans le fond, je pars d'ici. Là, j'avance. Ça rendait à peu près là. D'après moi, je vais faire un genre de dégonnage. Ouais. Là, on est en retard. On vient de bumper un plan. Et voilà. À moins qu'on rattrape le retard, on verra, mais jusqu'à maintenant, il est off. Ce qui arrive, c'est que Mme Bolduc arrive jusqu'au miroir, elle se regarde. Ouais. Elle se lance vers le frigidaire pour se nourrir de ça. Elle se rend compte qu'il n'y a rien dans le frigidaire. Et elle se lance à l'extérieur, dans le fond, pour acheter quelque chose. En gros, c'est ça le plan de vue qu'on va faire. C'est un peu compliqué parce que Mme Bolduc passe de 3 points différents, donc elle a pris à faire les risques différemment. Ça devrait bien se passer. Finalement, le plan qu'on avait peut-être bumpé tantôt, ben, on a le temps de le tourner. Ça, c'est grâce à un bon assistant réel qui sait mettre la pression. Ben là, c'est fini! Je souhaite une longue carrière dans le cinéma à tous les membres de l'équipe qui vont désirer poursuivre dans cette voie. Et puis les autres, ben, je leur souhaite du bonheur ailleurs, s'il le faut. Mais j'ai l'impression que c'est une assez bonne équipe et que tout le monde va continuer.